Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment, avec Mechabricks, on peut résoudre ce petit problème de géométrie en 3D où on doit dénombrer le nombre de cubes, sachant que cet adorable petit insecte a percé de part en part cet empilement de cubes. Donc, dans un premier temps, on remarquera qu'on a une hauteur de cube de 5 sur 5 de côté. Donc on va construire d'abord le cube et ensuite on va le trouer à l'aide de Mechabricks. Donc je vais prendre ici, vous voyez, j'ai commencé à faire une ligne de 5. Ensuite je vais prendre ici cette brique, je vais la cloner et je vais, hop, vous voyez, hein, comme ceci, je clone, je mets comme ceci, donc là je vais me rapprocher. Je clone, voilà, je clone, voilà. Et maintenant, vous voyez que comme j'ai 5 briques, et eh bien je vais faire 3, 4. Je vais cloner. Puis vous voyez, alors j'en ai pas besoin d'autant, je vais enlever celle-ci. Donc je vais cloner les 4 en fait. Avec la touche CTRL, je sélectionne, je fais D, voilà, D, voilà, D, comme ceci, et D pour cloner aussi cette barre. Maintenant, il ne me reste plus qu'à, voyez, prendre l'ensemble ici des petites briques de façon à cloner, et cette fois-ci, d'augmenter d'un étage mon empilement. Voilà, comme ceci. Donc je clique sur la, j'appuie sur la touche D de mon clavier. Et là, vous voyez, je vais, hop, mettre un étage supplémentaire. J'appuie sur la touche D, encore un étage. Sur la touche D, encore un étage. Vous voyez. Et puis encore la touche D, et voilà. Donc on a un empilement, vous voyez, de 5 cubes de chaque côté. Alors on va essayer de le présenter à peu près de la même façon que qu'ici. Donc il faut le percer, il faut faire 4 trous de chaque côté. Par contre, ici simplement 3. Donc je perce ici, donc je sélectionne, je fais supre, je sélectionne ici, je fais supre, je sélectionne, je fais supre, je sélectionne, je fais supre. Ensuite, on a dit de la même façon, je supprime, ici je supprime, je supprime, je supprime. Puisqu'il a fait des trous de part en part, et bien de l'autre côté, on supprime, on supprime, on supprime. De part en part, ça veut dire qu'il faut aller de l'autre côté. On supprime, on supprime, on supprime, on supprime. Et vous voyez, on s'aperçoit qu'il n'est pas allé de part en part. Donc, on va également faire comme l'insecte. On va creuser. Voilà, ça y est, c'est creusé. Alors, on a creusé ici. On va creuser là. Je sélectionne, voilà. Ça y est, on a creusé de part en part ici. On va creuser de l'autre côté, comme cela. Voilà. De la même façon ici. Voilà. Alors, il nous reste quand même ici à creuser, de façon à ce qu'on puisse voir le jour. Donc, ça y est. On a creusé de part en part. Et il nous reste quand même, si on regarde bien, ici des trous par le dessus et trois tunnels. Donc nous allons utiliser ce trou, ce trou, ce trou. Voilà, donc on va se mettre par-dessus maintenant. On va creuser encore ici. Voilà, encore
encore ici, encore ici. On va aller ici, ici. Voilà. Et maintenant, effectivement, on a bien creusé de part en part, de chaque côté, comme l'insecte, voilà. Et on voit ici, on a le nombre de pièces indiquées pour la solution à notre problème. Voilà, à bientôt pour un autre tuto.